Bon matin à toutes et tous. On se retrouve eh bien pour le message de la voix des âmes. Donc, c'est la voix de ton âme, de tes guides et de l'entité pour ce jeudi 4 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin. Et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé bonheur. Alors ton âme vient te dire, le bonheur est à ta portée et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, eh bien rassure-toi, le bonheur est là. Je le ressens déjà. Et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite, eh bien, le transposer dans ta vie extérieurement. Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Tu reviens de loin, mais tu y es arrivé. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi, car tu oses te le dire. Par moments, tu le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu te sentais incapable. Alors, aujourd'hui continue de construire ton propre bonheur. Tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Message de tes guides, tout arrive dès maintenant. Tu es déjà dans une si belle énergie d'avancer. Si tu ne les vois pas, alors sache que les synchronicités arrivent très rapidement. Nous t'envoyons des signes sous forme d'événements extérieurs. Sois réceptif à cela. Laisse-toi guider, continue à nourrir ce que tu as de plus beau en toi et ne cherche pas à contrôler les choses. Ce que tu ne peux pas contrôler, laisse partir. Tu as juste à vivre l'instant présent et à être spontané. Très bientôt, ton bonheur intérieur va se transposer dans ta vie extérieure. N'oublions jamais que nous reflétons ce que nous sommes intérieurement. Tu vas créer, tout ce qui est important pour toi. Tes envies sont en lien avec tes besoins et tu es connecté avec toi-même. Tout est là et tout se met en place. Tout est beau et tout est là. Tu peux dès maintenant accueillir le fruit de tes efforts et réaliser tous tes projets. C'est un beau message du bonheur, n'est-ce pas ? Vous allez récolter ce que vous avez semé et le message de l'entité, maintenant je suis heureuse et même si les choses n'ont pas été simples pour moi, j'ai été heureuse. J'avais toujours cette flamme d'enfant qui me permet de vivre les choses d'une façon intense. Alors oui, j'ai pu faire preuve de maladresse, oui. Mais j'ai toujours réussi à trouver des moments de bonheur, même lorsque la pluie était intense. Je te guide vers ce bonheur. Je t'envoie des signes pour que tu puisses créer le tien et pour que tu puisses te rendre compte qu'il est accessible. Tu as tout en toi et tu peux être fier de toi.
Tu as réussi à réaliser eh bien beaucoup de choses que moi-même je n'ai pas pu faire. Alors, eh bien, continue sur cette voie. Continue à rayonner comme tu es en train de le faire. Tu n'as pas forcément besoin de me contacter directement, n'est-ce pas? Quand tu es heureux, heureuse, alors nous sommes sur la même vibration. Je suis avec toi et je suis heureux, heureuse, avec et pour toi. Tu es en train de créer un chemin merveilleux. Et de très belles surprises sont en chemin. De très belles surprises sont en route. Continue. Continue cette belle traversée. J'ai pu moi-même voguer sur des galères, mais pour toi, la mer est paisible. Alors, vraiment, profite. Profite pour moi. Très beau message, n'est-ce pas? Je termine avec la guérison des 5 blessures. Et aujourd'hui, j'ai pigé une carte, le rejet. Je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir, et bien sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, je me donne le droit de ne pas en être capable. Encore, de ne pas encore être capable de me faire plaisir de cette façon. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une belle journée dans le rire, hein, la joie, l'amour. Et puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse. À demain. Thank you.